Vous me voyez pas. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis cachée. Bah voilà ma fifi hein, qui vient vous dire bonjour, pile devant la caméra. Alors attendez, voilà, déjà qu'on va pas avec les cartons. Voilà. J'ai reçu les deux cartons d'hier qui étaient que le facteur n'avait pas donné. Voilà, il me les a ramenés aujourd'hui. Et je suis. Hop là! Super contente. Alors, à savoir, dans mes inconnus, j'en ai retrouvé une, c'est déjà bien. Et donc c'était Michel. Là, c'est celle qui vient de me renvoyer donc ce grand carton. Alors, je vais enlever ça maintenant. Hop, et je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Michel, tu as eu de la chance que le colis est arrivé. Parce que tu n'as pas mis la bonne adresse. Tu t'es trompé au niveau de la rue. Voilà. Du coup, j'ai pas fait attention si sur l'enveloppe que tu m'avais envoyée, tu t'étais trompé également. Je sais pas. Mais, fille, s'il te plaît. Voilà, merci. mais bon, c'est bien arrivé. Donc, ça prouve que je suis bien connue par le facteur. Donc, voilà. Alors, un gros colis. Et un petit, là, voilà, hop là. Alors, mais comme je suis curieuse, je vais ouvrir le grand d'abord. Donc là, j'ai rien ouvert parce qu'il vient tout juste d'arriver. C'est tout frais. Alors, allez, allez. Alors, pendant que je me bagarre à ouvrir le carton, en même temps, ce matin, j'ai dû bouger. C'est pour ça que j'avais peur d'être encore absente pour le colis. Mais mon mari était là, donc ça a été. J'ai dû aller en urgence chez le dentiste. Vous voyez, il fallait qu'on en parle hier. Parce que bah, hier, en mangeant une prune, voilà, une prune, donc c'est mou, hein, une prune, j'ai recassé une dent. Voilà. Alors, donc, j'y suis allée ce matin. Et bah, ils ont limé ma dent parce que bah, elle me blessait. Et bah, j'attends mes rendez-vous. Ils doivent me rappeler en urgence cette fois-ci pour me donner mes rendez-vous. Donc j'espère qu'ils vont se dépêcher. Bon, ah, tu l'as bien. Allez, on va y arriver. Pourquoi il ne veut pas se décoller? On va y arriver. Oh ben, donc. Ah, voilà. Bon, au pire, j'arrache. Et je vais peut-être mettre sur une chaise parce que là, du coup, on va rien voir. Me voici, me voilà. Ah, voilà, ça y est. C'est ouvert. On va le mettre sur le côté, voilà. Et ben, il est bien rempli. Alors, hop. D'abord. Oh, en plus, ça a mis plein de bulles. Au moins, c'est pas abîmé. Oh, c'est joli ça. Ah, je prends un porte-aiguille en forme de chapeau. Alors, attendez, je vais me rapprocher. Voilà. Allez, un porte-aiguille en forme de chapeau, donc je pense que c'est un qu'elle l'a fait elle-même, hein, bien sûr. Il est tout mignon. Ben, allez, pour ma boîte à couture. Oh, c'est joli ça. Oh, regardez. C'est trop beau. Oh, j'adore. Trop mignon. Et qui ne... Derrière, des petites fleurs, voilà, des petits pistils, les petites chaînes en perles. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. On va les mettre là, à l'abri de Fifi. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah. Oh, ça, c'est trop mignon aussi. T'as fait des belles choses avec papillon. Regardez, voilà. Bon, non, Fifi, s'il te plaît. Hop, tu vas pas rentrer dans le carton.
avec une paille, papillon, des plumes. Trop mignon aussi. En plus, c'est les couleurs que j'aime. Donc, c'est génial. Alors, oh là là, il y a plein de choses, Alors, qu'est-ce que... La carte est fermée avec un aimant. Bon, alors, on va ouvrir. Eh ben, écoute, Michel, tu m'as... J'ai pas encore tout vu, mais tu m'as déjà bien gâté. On va l'ouvrir dans le bon sens. Oh oui, prends l'endroit vite. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est trop trop belle. Attendez. Elle est trop trop belle. Alors, elle me dit un petit colis pour me remercier de toutes ces jolies choses que je fais. Et qui m'ont donné envie de recommencer le scrap. Alors là, je suis super contente de t'avoir permis de refaire le scrap, parce que c'est vrai, le scrap, c'est un loisir vraiment super. Voilà, alors mes ennuis de santé, ben, hein, et les autres ennuis, ben, tout se remet en place un petit peu à la fois, bon, un peu sauf la santé, mais... Ah là là, eh ben, écoute, elle est géniale, ta carte. Oh, regardez-moi ça, elle est super belle. Attendez, je vous montre de plus près, j'espère que c'est pas flou. Regardez la dentelle, les fleurs, les rubans. Oh, elle est magnifique. Ah, j'adore. Merci, merci, merci. Et là, oh là là. Oh, je vais le mettre dans ma chambre, celui-là. Regardez, elle m'a fait un cœur tout en dentelle. Oui, chéri. Voilà, pardon. Il est magnifique. Oh là là, j'adore la dentelle. J'habille à souhait. C'est trop trop beau. Oui. Ah, magnifique. Bah, merci, merci, merci. Hein. Oh là là. Alors. Oh mais tu m'as encore fait plein de créations. Là. Avec des pailles. Un petit porte-paille. Tout mignon. Pareil, dentelle, ruban, strass, fleurs. Magnifique. Et là, le dos. Vraiment super beau. Encore un grand merci. Je crois que je vais dire merci jusqu'au bout. Alors. Ah oui, encore une création là. Oh, c'est joli ça. Tiens. Regardez, une fleur. Alors attendez, je vais enlever peut-être du plastique. Alors c'est pareil, c'est une fleur qu'elle a fait elle-même, avec des rubans, entrelacés. Regardez. Elle est trop trop belle. Oh, génial. Super, hein. On va la remettre dans son petit plastique. Et ben, je crois que cette fleur, je sais où elle ira. J'ai une page de scrap à faire, je vous avais déjà dit, hein, sur la grand-mère de mon mari. Je crois que cette fleur ira dessus. Alors, ensuite, elle m'a mis un peu des embellissements. Allez, alors, des fleurs, hein, c'est des fleurs papier, oui. Voilà. Orange clair, là en rouille, elles sont belles. Oh, qu'ils sont beaux. Alors, les bling stickers, voilà, sont trop beaux. Là, des lignes de strass un peu en forme de fleurs. Voilà. Donc ils sont adhésifs.
ici. Oh, des petits napperons. Chouette. Alors, c'est les napperons, et en plus, ils viennent de, de chez Gorgus Santoro. Oh là là, regardez la Gorgus qui est derrière. Elle est trop belle. Je vais pouvoir la récupérer parce que là, elle est vraiment magnifique. Nana, tu laisses mes plumes tranquilles, Fifi. Encore des strass autocollants, donc en forme de fleurs, oh, de papillons, d'étoiles et de cœurs en violet. Non, c'est pas pour toi, ma Fifi. Là, les fleurs, donc c'est en feutrine, en tissu et en calque, je crois. Voilà, donc ça, c'est Action, hein, on les reconnaît. Oh, et puis toutes les, vraiment les couleurs que j'aime. Enfin, les embellissements en carton, c'est quelle marque? Stella Rose. Ils sont super beaux aussi. Ça, j'aime bien aussi. Ça. De toute façon, j'aime tout, moi. Je suis pas difficile. Ah, des masques pour faire des papillons. Oh, génial. J'en ai pas de masque, justement. Donc, ce sera mes premiers. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, donc c'est transparent. C'est un peu, les masques, c'est un peu comme les pochoirs, mais à l'envers. Voilà. Donc là, on va mettre sur la feuille le papillon. Et ce sera autour que ce sera coloré. Et le papillon, lui, sera blanc. Là, des embellissements en époxy. Je trouve. Super beau. Oh, qu'est-ce que tu m'as gâté, waouh. Les boutons en carton bois et il y a de la ficelle en bas. La petite ficelle ici. Des fleurs en feutrine, toutes mignonnes aussi. Là encore des embellissements, mais ce sont des, comment on appelle, je cherche, voilà, des signes de ponctuation, voilà, j'ai trouvé, génial. Alors, ensuite encore des bling stickers, voilà, donc elle m'en a remis dedans. Ils sont beaux ceux-là. Ça, c'est des découpes, je vais vous les montrer après. Et là, c'est quoi? Ah, des brades. Oh, ils sont super beaux. Regardez, en plus, elle les a mis sur un carré de mousse. Ah, ils sont trop beaux. Oh, génial. Ils sont originaux, au moins, ceux-là. Originaux, original. J'ai un trou. À votre avis. Là, des tampons avec des papillons. Voilà, attends, je tiens peut-être à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Voilà, des fleurs, des papillons. Oh, ils sont super beaux aussi. Fifi, tu m'as fait peur. Oh, une Fifi en bois. Regardez. Une Fifi en bois. Ah, trop chou. Eh ben, j'en sors. Oh. Alors, ici, ça doit être non, c'est pas des découpes, c'est des tags, des étiquettes. C'est pas le tout. C'est belle. Allez. Voilà. Une couronne, une fleur. Oh, celui-là, il est beau, avec le lion. Ah. Oh, j'ai jamais vu des comme ça. Pareil, ça va pouvoir aller, ça aussi, sur la page de la grand-mère de mon mari. Ça fait très rétro. Bon, je ne mettrai pas celui-là, hein, sur sa page.
Mais il est original aussi, il est chouette. Pour Halloween. Voilà. Là, ah, avec le truc comme ça, je sais plus comment c'est. Voilà. La petite étiquette. Voilà. Encore une petite étiquette. Et là, plein de tags. Allez. Plein de tags. Chouette. On va bientôt remettre dedans. Alors là, ce week-end, justement, j'ai tellement été superbe avec moi que ce week-end, c'est rangement dans l'atelier. Parce qu'il y en a partout, là. Oh là là. Alors, ce week-end, ça va être le grand rangement. Encore des tags. Alors. Allez. Voilà. Les tags, on n'en a jamais assez. Pour les pages de scrap et tout. Là, ça comme des petits boutons, on va dire. Voilà. Je vous les montre comme ça. Hein. Ils sont super beaux. Celui-là avec la tour Eiffel, il est chouette. J'espère que vous voyez, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis face à la lumière. Voilà. Plein d'étiquettes, alors vintage, elles sont très belles. Ça, il y a plein de petits ronds comme ça. Oh, il est mignon celui-là, avec les oiseaux. Plein, plein, plein de tags. Et ils sont vraiment super beaux. Shabby, vintage, romantique. Là, comme les petites étiquettes. Des petits ronds encore. Voilà. Une fleur. Avec une petite cage à oiseaux et une étiquette. Super. Voilà. Je vais mettre sur le côté pour pas en perdre. Voilà. Alors, les découpes. Là, elle m'a marqué des papillons. Ah. Oh, des papillons en bois. Voilà, regardez. Ils sont très fins. Oh, ils sont chouettes. Oh, super. Génial. C'est original comme ça en bois. Ici, alors, il y a des découpes, il y a des... Alors, je vais regarder... Oh, il fait chaud, il fait chaud. Oh, ça me plaît, ça. J'ai pas vu, mais ça me plaît. Une superbe libellule en carton. Ouais, donc c'est du carton. C'est ça, je sais pas. Ah, c'est une aile de papillon. Donc il doit y en avoir une deuxième quelque part. Voilà. Ah, ok. Voilà, donc on en a en plastique aussi. Alors peut-être que si... Voyez, en plastique, donc... C'est exactement la même chose, vous voyez, on peut peut-être recouvrir. Tu m'expliqueras, Michel. Les jolis papillons en plastique transparent. Les oiseaux,
Moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. Elles sont trop belles. Donc, là, il y a des ailes. Voilà. Là, un miroir. Une chouette. Elle est belle. Oh, c'est chouette en plastique comme ça. Encore une. Des petites feuilles. Des oiseaux. Encore une aile de papillon. Encore une chouette. Voilà. Vous voyez ça? C'est la même chose. Voilà ce que ça fait. Cool. Donc on a la libellule bien sûr, qui comme tout à l'heure, celle en carton. J'ai jamais vu, ça c'est sûr. Et encore les petites ailes. Eh ben, super. Hein. Waouh. Alors, on va mettre dedans. Je vais mettre là, sinon je vais faire perdre du temps. Vous allez dire la vidéo est longue, la 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 la. Alors, chouette, tombe en panne. Du double face, super. Oh, ils sont beaux. Allez, les beaux papillons. Vous le savez, hein, que j'aime les papillons. Bon, là, je le répète assez souvent. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, mais il y en a encore, hein. Il y en a encore, les filles. Waouh. Ah, c'est plein de petits embellissements en papier, en carton. Voilà. Des, comme des Project Life. Un petit instant de douceur. Voilà. Là, des petits. Encore ici. Bah ça, ouais, c'est un peu comme des Project Life, vous voyez. Génial. Une petite enveloppe, une mini enveloppe. Là encore un Project Life, encore une enveloppe. Et ben dis donc, waouh 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 waouh. Ah, des étiquettes pour Noël. Là, c'est des gros bisous, des potions magiques, faites un vœu. Là. Ça, c'est tout à fait vintage. Bah écoute, tu m'as bien... Tu connais bien mes goûts, hein, en tout cas. J'en ai une qui est en train de jouer dans le papier bulle. On va tout remettre dans l'enveloppe. Ah bah alors j'ai deux mains gauches. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. Alors là, pour Noël, des rubans. Super. Oh là là, mais dis donc, ça c'est contenu de journal. Pour faire un album, ça c'est super. Oh, ça me donne des idées. Attendez. Je vais vous en montrer quelques-uns.
Alors, il y en a des petits, des moyens, des très grands. Ah, c'est pas Bobuni, ça? Ah, voilà, j'ai reconnu Bobuni. Voilà. Voilà, donc ça, c'est tous les petits. Pourtant, j'aime bien Bobuni, mais j'avais pas encore vu ça, tiens. Ils ont des super papiers aussi, eux. Donc après, on les a en grand, comme ça. Celle-là, j'adore. C'est à ça que j'ai reconnu, aux oiseaux. Voilà, donc les moyens. Oh là là. Les allongés aussi, comme ça. Voyez, il y en a plein, hein. Oh là là. Sont super beaux. Là, ici avec la découpe, ça ferait une super belle couverture, ça, d'album. Et après, il y a les grands. Voilà, les grands comme ça. Oh, il est beau celui-là. Oh, mais alors vraiment, là, c'est vrai que pour faire un album, c'est super ça. Oh, génial. Merci, merci, merci mille fois. Voilà, pour remettre. Regardez. Fifi, s'il te plaît, il n'y a rien pour toi dedans. Elle est folle. Ah là là. Allez, mémère. Non, on va le faire carrément coucher dedans. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. T'as vu? Je t'ai montré. Voilà. Pris en flagrant délit. Oh, mais ce chat est fou. Enfin, folle. Allez, mémé. Sors. Je te donnerai le carton après, si tu veux. Oh, mais... Ce chat est fou. Alors, ensuite... Plein de petites fleurs comme ça, embellissement. Avec de jolies couleurs. Ah ouais, mais là, la page pour la grand-mère de mon mari, elle est faite. Hein. Je sais déjà ce que je vais mettre. Et... Oh, ils sont beaux. Des embellissements en bois. Les oiseaux, un oiseau sur une branche. Donc il y en a plusieurs. Ah, fifille! Des arbres en bois aussi. Ça c'est super aussi pour faire du mixed media. Et superbe cage à oiseaux. Et ben, un washi tape de Noël. Alors, j'en avais eu un comme ça. J'en ai plus justement, ça tombe bien. J'avais fait quoi avec un Flipbooks. Je m'en étais servi sur un Flipbooks. Et là, alors, plein. Alors, c'est de la feutrine ou de la mousse? Non, c'est de la mousse. Ah ben, je vais vous montrer d'abord les papillons. Regardez. Les jolis papillons. Trop beau. Bah écoute, Michel. Oh, mais il y en a encore. Il y en a encore. Ouais, donc là, il y en a en bois. Oh, c'est tout mignon. C'est, regardez les petits oiseaux. Waouh. Oh, je suis comme une gosse là. Ah oh, ouais. Donc des oiseaux comme ça. Je vais mettre peut-être avec mon pull, vous verrez mieux. Et là, plein de. Encore plein d'embellissements. Donc en mousse. Regardez des oiseaux là, en mousse. Des fleurs. Là, c'est. Oh, c'est quoi ça? Oh, comme du. On dirait un fin métal.
Encore des mousses, des fleurs, coccinelle, une petite étiquette. Il y a plein de fleurs. Oh, regardez la coccinelle, comme elle est jolie. Et ça y est, la voisine en haut fait encore son boxon. Ah là 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 là. Ce matin, bon, du coup, je devais me lever de bonne heure quand même, donc pour aller chez le dentiste. Je vous jure, à peine 7h du matin, elle était déjà en train d'hurler sur ses gosses. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Et dire qu'elle est assistante maternelle, alors là, ça me... J'allais dire un gros mot, je ne le dirais pas, mais là, ça me... J'en peux plus. Merci, merci. Ah. Un petit papier. Ah, c'est un petit sachet. Ah, il y a quelque chose dedans. Voilà. Ouh, des petits fifilles. Oh, regardez. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Regardez. Une tête de fifille. Et là, une toute petite fifille. Oh, génial. Fais pas de bêtises, toi, là-bas. Oh, super. Oh, ben, écoute, waouh. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oh, oh là là. Que des belles choses. Là, c'est en bois. Les alphabets en bois. Ça, c'est pareil. J'aime bien. Pour faire le mix and media. Ou les cartes. Les albums. Tout. Les branches en bois. Oh, c'est joli ça. Alors, je vais essayer de montrer. Il y a tellement de choses, je ne sais plus où j'ai mis mon couteau. Tu as tout emballé, tu as dû passer un temps fou à préparer ce colis. Oh là là, regardez comme elles sont belles. Oh là là. Je ne sais pas en quoi elles sont. Mais alors, elles sont magnifiques. Là, celle-là est en tissu. Waouh. Les bleus aussi, elles sont super belles. Ben, waouh, j'adore. Hein? Oh, il commence à y avoir une petite montagne devant moi. Des tampons. La recette du bonheur, c'est un secret made in chez moi. Les petites étiquettes, tampons, étiquettes. Ça, c'est quoi? On dirait comme des boutons. Des petits embellissements en métal. Là, encore des embellissements, donc ils sont en plastique, je crois. C'est des horloges. Je vais regarder. Ah. Oui, c'est ça, c'est du plastique. Vous voyez? Ouais. Il y a des aiguilles et tout pour le steampunk, ça c'est super. Encore des tampons. Et ben, oh, Michel, je t'aime. Regardez, ils sont magnifiques. Rétro à souhait aussi, ça. Des perles de... Je sais pas si on appelle ça des perles de pluie, je crois. Vous voyez, des petites demi-perles comme ça. Transparentes. Là.
les carrés de verre. Allez. Ça c'est génial aussi pour le mixer de médias. Super. Et il y en a encore. Alors ici, de jolis pompons. Et puis tu as tout bien emballé, hein. Ça ne pouvait pas se sauver. Oh, mais tu vois, tu as eu du bol que le colis est arrivé parce que avec l'adresse qui n'était pas bonne. Ça aurait été vraiment dommage de le perdre, le colis. Mais de jolis pompons. J'adore les pompons comme ça aussi. Pour faire des bijoux de planeur ou de sac. Des trombones géants. Ça, c'est rare d'en trouver. Ils en ont fait là, il n'y a pas longtemps. Il y a un petit moment. Comment? Chez Action. Oh, qu'ils sont beaux. Ça sent le bobigny aussi, ça, je crois. Non? C'est pas marqué, mais ça ressemble au bobigny. Regardez. Ah, c'est des. Ouais, c'est des brades. Regardez comment ils sont beaux. Trop beau. Oh, je sais plus où mettre. Ah, il y a un petit brad qui s'était sauvé. Bah, alors il était. Voilà. Hop. Voilà. On va remettre. Voilà. Ah, ça, c'est. Ah, des aimants. Des aimants en verre. Ça, c'est bien ça. Pour mon frigo. Il y en a encore. Des tampons, encore. Un peu avec des arabesques. Oh là 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 là. Et des tampons encore. Oh, ils sont tout mignons. Mmh. Oui, des tampons un peu voyage. Super. Là, encore des tampons. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien voyé, avec un chat, une fifille, une tortue, trop rigolote. Des fleurs, des papillons, un escargot. Oh, génial. Encore des embellissements en fleurs feutrines. Des petits pompons. Des mini pompons. Ça, c'est des stickers, des petits embellissements stickers en forme d'étiquette. Là, encore plein d'embellissements. Alors, il y a des timbres, il y a. Alors, on va regarder. Je vais vous montrer un peu, je vais pas tout vous montrer parce que là il y en a énormément là dedans, mais regardez par exemple, voilà. Des petits ronds, des petites horloges, tout. Oh là là, oh la valise là, elle est jolie. Là il y en a plein, là je... merci un million de fois. Hop, on va remettre dedans. On arrive au bout. Ah là, des embellissements en métal. Ah voilà, je commence à avoir des paillettes dans les mains. Je crois qu'il y a des paillettes. Ah ouais, mince. Oh, il y a une paillette qui s'est ouverte. Un petit bocal. Bon, c'est rien. Je m'arrangerai pour récupérer. Je vais pas l'ouvrir du coup. Vous voyez. Il y en a un qui s'est ouvert, mais c'est rien. Je vais m'en arranger. Il n'y a pas de souci. Des petites fioles. Voilà. Super. Donc là, je vous disais, les petits embellissements en métal, comme ça, des angles. Et ça y est, on est arrivé au bout. Là, je relève les paillettes.
Alors, c'est un bloc de papier. Bon, comme elle me dit, il n'est pas complet, mais parce que bon, mais elle l'avait en double, donc elle me l'a mis quand même. C'est très, ça me plaît, hein. Alors, je vous montre la couverture. Voilà. Donc, c'est la marque Kaiserkraft. Oh, il est beau. Voilà. Comme ça, on va remonter un tout petit peu la caméra. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer toutes les feuilles, mais voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez, sur Noël. On va remettre comme ça dans le carton. Oh, Papa Noël. Regardez. Ah, il y a de la paillette partout, je vais briller de partout. Oh là là, il est beau. Oh, ça j'adore. Regardez. Les anciennes, un peu style, les anciennes cartes postales de Noël. Ça j'en avais fait aussi, j'avais plastifié pour mettre dans Flipbooks. Voilà. Oh, vraiment super, super. Génial. Oui, ça y est beau. Voilà. Eh ben écoute, Michel, j'aurais qu'un mot. Waouh! Tu m'as gâté, mais alors pourri gâté là. Oh là 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 là, on va tout remettre dans le carton. Je te fais des millions de bisous. Donc, je confirme, ce week-end, c'est rangement de l'atelier à fond. Pour pouvoir tout ranger bien, que je retrouve tout sous la main. Je vais mettre comme ça. Pour remettre dans le carton. Au moins tout ce qui est embellissement. Voilà. Pour ne rien abîmer. Surtout. Oh mais vraiment, un million de merci. Je t'embrasse énormément. Un gros 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 bisou. Et là tu m'as vraiment wow. Alors déjà avec l'enveloppe le die là que j'adore à la folie là. Non, tu m'as vraiment super 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 gâté. Voilà, alors ça c'est pas des remballés, donc je vais les remballer après. Voilà, j'ai de la paillette partout sur ma table. Ça va, j'ai pas encore fait mon ménage, donc, mais c'est rien, c'est pas grave. Alors Michel, je t'aime. J'ai plus mes mots, je sais pas quoi dire. C'est super. J'en perds mes mots, je sais plus quoi dire. Et puis les créations que tu m'as faites là sont super belles, j'adore, j'adore, j'adore. Le cœur, il va aller dans ma chambre. Ça aussi, de toute façon, ça va aller dans ma chambre. Ah ouais, trop beau, trop, trop, trop beau. Encore un énorme merci, Michel. On va passer au deuxième carton. Donc là, je sais aussi à peu près ce qu'il y a dedans. C'est Céline qui m'a envoyé. Alors, elle m'a envoyé, tu as de la chance aussi parce qu'il est pas collé, pour ainsi dire. Donc, je sais qu'elle me dépannait en double face. Donc super, là, j'ai ce qu'il me faut en double face. Céline, merci déjà pour le dépannage. Voilà.
une petite lettre avec des papillons. Alors, merci, merci, merci. Merci pour Fifi. Et je sais que tu, ouais, je sais que tu es toujours là, tu es toujours à l'écoute. Et tu me parles du 10 octobre, donc je te dis un grand merde. Voilà. J'espère que ça ira très bien. Alors, là, c'est emballé. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va essayer de retrouver le couteau. Voilà. Et bien, vous allez avoir une grande vidéo aujourd'hui. Hein. Alors hier, je voulais faire la fimo, je l'ai commencé, je l'ai raté. Je ne sais pas ce que j'ai avec la fimo en ce moment, mais du coup, j'ai refait des médaillons avec ce que j'avais raté, et ça, je vous le montrerai avec une autre vidéo. Je vais faire les montages, les vernir, tout ça, et je vous ferai le tuto. Alors là, aujourd'hui, je pense... comment ? Je pense vous faire un tuto, mais sur toute autre chose. Bah ouais, bah alors du coup, je les ai en double. Je les ai en double. Parce que je ferai plaisir à quelqu'un. Ou je les ferai peut-être gagner. Pourquoi pas, hein, si ça t'embête pas, je ferai comme ça. Alors, comment ça s'appelle ça? Le scalpel. Ils en ont sorti un, ouais, à Action. Voilà, regardez. En plus, il y a plusieurs formes de lames, vous voyez, donc il a l'air pas mal, pas mal du tout. On verra l'usage. Ah, et vous voyez, ils disent que il est aimanté. Là, ici au bout, c'est aimanté. Merci, merci. Et du coup, bah, les doubles faces. Génial. Bah, là, j'ai quoi faire maintenant pour terminer mon album. J'avais peur de. J'en avais pensé dire plus. Hein, il m'en restait assez pour faire la page 7, pardon. Et après, j'en avais plus. Écoute, Céline, un énorme merci. Du coup, les dies, avec ton accord, je pense que je vais les faire gagner. Je vais regarder. Je vais voir ce que je vais faire. Et Michel, encore un énorme merci. Tu es un ange, Céline aussi, tu es un ange parce que je sais que tu as besoin. Et à vous toutes, encore d'énormes merci. Je sais que j'attends encore des colis parce qu'on me l'a dit. Je suis pourrie gâtée. Je vous jure, je sais plus quoi dire, j'ai plus de mots. Pourtant j'ai une grande gamelle, je suis une grande bavarde, mais là, vous m'avez coupé la chic. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement que écoutez, je vous fais Michel et Céline, je vous fais d'énormes bisous à toutes les deux. Je vous remercie tout plein. Et puis je sais plus quoi dire. Il est midi et quart. Donc je vais vous laisser, de toute façon j'ai presque plus de batterie là, je vois. Et j'en ai qui... Bon, ils se sont endormis, mais ils me regardent d'un œil parce qu'ils me disent « Maman, t'es en retard d'un quart d'heure sur la gamelle. » Et puis je dois leur donner des médicaments à Tango parce qu'il a encore son traitement. Hein. Son traitement se termine samedi. Voilà, mais il remarche très bien, il court même maintenant quand on fait la promenade, donc ça va. Mais bon, on surveille de près. Voilà, alors je vous fais à toutes les deux un gros gros bisou, un supplémentaire à Michel, hein, si tu m'en veux pas Céline, mais tu sais que je t'aime aussi. Voilà, je vais ranger tout ça, je vais m'occuper de tous mes poilus, et je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous aime tous. Et donc là, les dies de Noël, je vais voir pour les faire gagner. Je vais voir ce que je vais m'y donner. Voilà.
Je vous fais à tous de gros gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!